finalement, il faut avoir subconscience de la chose. La pub, c'est vraiment de la merde. En fait, quand il y a des pubs, c'est fait pour aller pisser, pour aller chier ou pour aller fumer. Coluche qui avait raison. La publicité, c'est vraiment pour les débiles. Remarque, le film, il est pas meilleur, mais c'est rigolo. C'est Astérix. À la limite, c'est rigolo. Des brochets, des poissons mijotés, des viandes en sauce. On était sûr qu'il n'y avait rien à manger. Joli, ces petits 5. Bon, c'était pas pour dire ça. Souvenirs, hein? Non, mais j'en fais. Non, merci. Noble étranger, un petit portrait avec le 5 sans souvenir. Une sculpture instantanée en 30 minutes. Ma foi, pourquoi pas? Ça fera bien un homme à hutte. Vous acceptez les sesterces? Oui, mais voilà. Alors mettez-vous de profil, les épaules bien de face. Ouais, c'est presque rigolo. Il faut vraiment renforcer la sécurité. C'est un beau fils. Presque rigolo. Ouais, c'est quand même pas trop pour eux. Il peut s'attaquer au chantier. Il faudra bien les aider à faire de garde. Qu'est-ce que tu en penses, Obélix? Astérix et Groubélix. Groubélix, c'était moi, ça le problème. Obélix? C'est Denis, en même temps, je suis Astérix, en même temps, je suis Groubélix. Non, non, non. Je suis le plus permanent et le père manant. Plus. Qu'est-ce que ça s'est réchauffé ces derniers temps? Obélix, non, c'est sûrement défendu. Descends tout de suite. L'idée est fixe. Bien, bien, c'est remarquable. Hein. Moi, je passe en mode ne fume que des sticks. Bravo, Obélix. À la Mariottini, quoi. Tu te surpasses en ce moment. Ouais, peut-être te recoller. Ah oui, mais c'est une bonne idée.